Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog saut, donc un vlog du mercredi. Donc aujourd'hui je vais sauter et là je vais chercher Ali, sauf qu'il y a un petit souci, il y a un cheval qui est pas à sa place. Donc je vais le remettre dans le pré où il est censé être parce que bah, il y a un petit souci quoi. Allez, j'ai récupéré le Titi. Bon bah du coup ils sont un petit peu en vrac là-bas. En tout cas Titi était bien dans son pré, c'est bien. Et on va aller se brosser parce qu'on est tout cochon. L'éclaireur s'il te plaît. Clyde, où? L'écran tout beau tout propre, on aurait fait la cucu. Là j'ai de la chance, elle est un petit peu démêlée. Une queue en or. Il a une queue dorée, même si je préférais qu'elle soit toute blanche. Un peu plus volumineuse aussi. On a un peu une crue de rat là. Là, comme les sols commencent à devenir un petit peu secs, je lui mets de l'huile pour hydrater son sabot et la sole et la corne, enfin tout. Comme ça au moins, bah, ça lui fait du bien. Et c'est un petit peu une huile que j'ai fabriquée moi-même. C'est une huile que je mets un petit peu avant l'été, comme ça au moins, bah, il aura des pieds prêts à affronter cet été avec tous les sols secs. J'ai acheté un nouveau tapis au salon du cheval d'Albi. Voilà, bah, j'ai craqué sur la forme de la matelassure et les petits diamants. Et aussi sur la forme en général du tapis. Parce que bah, déjà, il est très épais, ce qui fait qu'il y a un bon amorti. Et ensuite, en fait, la forme du dégarrotage est très très prononcée. Pas trop trop, parce que bon, voilà, sinon c'est trop. Mais elle est vraiment très très bien prononcée, ce qui fait qu'après... Bah pendant la séance, on ne se retrouve pas avec un tapis qui lui appuie sur le dos et qui descend.
Et il y a également une petite ligne de mèche comme ça, élastique, au niveau de la boutière pour vraiment bien libérer cette zone de dos, pour pas bloquer le dos. Donc il y a aussi des petites oreilles qui sont pas super grandes. Donc c'est pas des oreilles qu'on attache en dessous, c'est des oreilles qu'on attache ici. Et je vous assure qu'on a la place pour accrocher un collier de chasse ou une martingale. Donc ça c'est super. Donc pas de l'autre côté. Et franchement je l'ai trouvé super sympa, très raisonnable. Donc c'est un BR, donc c'est la même marque que les premières guêtres que j'ai eues. Et franchement pour un prix très raisonnable dans les 50 €, donc franchement c'est super. Au moins ça me fait un petit souvenir du salon d'Albi. Il est à scratch. Du coup ce qui fait que c'est pratique. Au moins quand vous oubliez de le mettre dans le passage de sangle, ben vous n'avez pas à tout défaire. Ça te détend d'être au-dessus de l'eau. Ouais, tu me tiennes. Franchement, ça le zen. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper, ta petite langue. Du minou. À chaque fois quand c'est le moment de mettre le filet, il est tendu. Oh mais non, viens par là. Viens par là. Donc du coup avec Ali on est prêt, donc on est parti, il est tout beau et donc on va faire une petite séance de saut. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire donc vertical avec des barres de réglage et des oreilles. Ensuite donc on continue comme ça, bon je vous montrerai dans la carrière mais du coup auxerre et après dans la diagonale, donc petit vertical un petit peu sympathique. Un petit peu regardant, comme on fait d'habitude. Allez, donc c'est parti, je me suis mise à cheval et donc on a commencé la détente. Il était un petit peu énergique à la détente, surtout au galop, au trot, ça allait. Donc du coup j'essayais de le détendre, de le mettre un petit peu rond, tout ça, et on a commencé à sauter. Donc on a mis un petit vertical comme ça, bon là je vous ai pas tout mis toute la détente. Bien évidemment, j'ai galopé, etc.
Et on a fait donc un petit vertical. Ensuite là j'essaie de le recanaliser un petit peu pour aller sauter lui, qui l'a sauté un petit peu bizarrement. Et ensuite j'ai mis des V et je me suis un peu fâchée parce que il cotait ce type d'obstacle. Et du coup, bon là bien évidemment j'allais pas les faire passer, mais vraiment pour lui montrer que en fait c'est la même chose que la dernière fois. Et après il a passé nickel sans regarder, donc franchement voilà. Bon, il touchait un petit peu les premières fois, mais après ça passait un peu mieux. Bon là je me suis un peu rétamée dessus, mais en fait comme il était à fond, et bien du coup je me faisais des gros sauts et moi je suis une brindille, alors je me fais un peu décapsuler sur Ali. Et là en fait il était pénible parce qu'il voulait pas venir voir sa foulée, donc... Ensuite, une fois qu'on a monté la barre, ça allait mieux, il m'écoutait, il savait où est-ce qu'il fallait prendre la foulée, ça allait mieux. Bon, là, il a eu peur de rien en fait, mais il a eu peur. Ensuite, on a monté, on a mis à 1 mètre, là j'ai volé, vraiment, j'étais pas prête à pouvoir... un saut aussi gros et à me faire décapsuler comme ça. Donc là du coup il y avait 1 mètre pareil et il a touché la barre pareil, et là du coup c'était beaucoup mieux, il levait un peu plus ses patrons. Bon là j'étais très contente de petit loulou. Et là il l'a fait sans toucher et il était à fond la caisse, donc c'était trop drôle. Bon du coup là je suis contente, je le félicite. Et lui bah il avait l'air heureux. Bon il a toujours peur du chandelier en fait, je pense qu'il avait... Voilà, il avait peur que le chandelier le mange. On met 105. Ensuite, on a mis donc 105 pour voir. Et j'étais très stressée, j'avais très très peur. Il l'a passé très bien la première fois, et la deuxième fois, bah, il l'a pris avec les antérieurs, donc voilà. On est redescendu du coup, et après on a fait 1 mètre. Et là, il a passé nickel. Bon bah voilà, donc je suis super fière d'Ali et de ce qu'il a fait. Donc il a passé 1 mètre et c'était vraiment super. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut. Ça me fait plaisir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.